Bah. Là. Connectez-vous, connectez-vous, parce qu'il y a une chose que j'ai manquée. Je n'avais pas vu, c'est quand j'ai fini ma vidéo que j'ai vu. Donc, venez, on va en parler. Voilà. Désolé, je suis toujours enrhumé, donc ma voix ne va pas donner comme vous voulez là. J'espère quand même que vous m'entendez bien, quoi. Voilà. C'est l'essentiel. C'est quand j'ai fini ma vidéo qu'on m'a dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. Partagez au maximum cette vidéo-là. Parce qu'il faut que tous les nouveaux soient ouverts. D'abord, même, je devais mettre un titre. Voilà. Voilà, vous pourrez maintenant voir le titre. Le titre est bien là. Donc le titre c'est convoquer affaire d'abord. Le titre c'est affaire mère vendue à 200 euros par son fils. Convoquer les concernés. Voilà. Kabidje, où est Féfé? Salut à Kabidje, salut à Féfé, salut à Florite. Je vois si Anna de Crayancourt. Voilà, voilà, la première fois que j'ai dit ton nom, parce que ça fait un bon bout de temps que je vois ton visage ici. Mais il faut enlever une photo des bébés là, ça me dérange. Voilà, il faut enlever, faites photo des bébés là, en tant que profil là, en tant que photo de profil là. Voilà. Bianca Brunel, comment ça va? Ça, c'est les abonnés sur ça. Et Bianca, tu n'as pas encore ton badge. C'est grave. Toi, je te vois tout le temps. Tu n'as pas ton badge. C'est grave, ça. Ok. Ça, apparemment, c'est tous les noms que j'ai remarqués. Ouais, Traoré, Traoré aussi. Voilà, Traoré, Traoré. Aussi, ça fait un bon bout de temps que je le vois aussi. Traoré, Traoré, big up à toi là-bas. Voilà. Pourquoi le monde est si fait? Pourquoi le monde est comme ça? Bonsoir à vous qui êtes sur YouTube. Bonsoir à vous qui êtes sur Facebook. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, chez moi, ça commence à aller. Est-ce que... Ah, je vais voir si ça commence à aller. Là. Bon, ça commence à aller. Ça commence à aller. Ah, ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais. Je voulais saluer quelqu'un spécialement que je respecte beaucoup.
que j'aime beaucoup aussi. C'est mon frère, mon grand frère. Monsieur le maire, je ne vais pas dire ton vrai nom, mais tu te connais. Je ne vais pas dire le nom avec lequel aussi tu te connectes. Mais toi, tu te connais parce que tu es là, je t'ai vu tout de suite là. Le monsieur le maire, je te salue. Voilà. C'est que beaucoup t'embrouillent chaque fois parce qu'ils savent que ça fait quand même des années qu'on se connaît et ils savent que je te connais, que tu me connais. Donc les gens t'embrouillent parce qu'ils veulent avoir des infos sur moi. Monsieur le maire, je te salue. Je te salue. Pour ceux qui ne connaissent pas monsieur le maire, c'est la famille. C'est mon grand frère. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous voyez, je vous ai toujours dit, moi, on n'a pas tous eu la chance de choisir les gens avec qui on est né de la, avec qui on est né de la même mère ou du même père. Mais on a eu quand même la chance de choisir les gens qu'on veut côtoyer toute la vie. Ouais, non, des gens avec qui on veut faire chemin toute la vie. Et Bigot, dit le monsieur le maire, il est l'une de ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est le frère que ta mère n'a pas eu et que ton père n'a pas eu. Mais c'est ton frère. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que ton frère avec qui... Avec ton frère d'une autre mère ou ton frère d'un autre père. Mais sachez que le père de Bigot, déjà, lui-même me considérait déjà comme son fils. Donc, je ne peux pas dire que c'était plutôt l'enfant d'un autre père, puisque son père, c'était mon père. Je le dis parce que tout à l'heure, j'ai fait une vidéo dans laquelle je dis que les parents, la responsabilité des parents, comment il faut faire choses, il faut respecter son père et sa mère. Je le dis parce que ce monsieur, le père de Bigot, me considérait comme son fils. C'est pourquoi même il peut me donner cocotta, il peut m'insulter, paix à son âme, il pouvait m'insulter, me donner cocotta, faire tout ce qu'il veut. Même quand il était en tort, je n'ai pas le droit de me contredire parce qu'il assumait son rôle de père. Ouais, non. Mais à part lui, quelqu'un ne peut pas se lever là-bas, par exemple, pour venir me dire n'importe quoi. Il y a lui parler. Quels que soient les cheveux blancs de la personne, il y a lui parler. Parce que cette personne n'est pas mon père. Donc vous voyez un peu, non? C'est pour vous amener à comprendre un peu ce que c'est qu'un père. D'abord, un père, c'est une fonction. C'est une fonction. Et quand tu démissionnes de ta fonction de père, tu n'es plus un père. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient avoir pissé quelqu'un, c'est-à-dire que jouit dans une femme et puis un enfant est né. C'est-à-dire que donc... Toi, tu crées l'enfant dans le ventre d'une femme et qui accouche, cette femme porte l'enfant 9 mois et cette femme accouche l'enfant et tu disparais. Et un beau jour, tu reviens des années plus tard, tu dis, je suis un père, c'est mon enfant. Ça ne marche pas comme ça. Tu es le géniteur. Tu as été celui qui a pris son sperme pour concevoir, pour former l'enfant dans le ventre d'une femme. Mais tu n'es pas le père. Tu n'es pas le père. Ton sperme a servi. Dieu merci d'ailleurs. La seule chose que ça peut faire, ça peut créer. Ton sperme a servi à quelque chose. C'est comme tu es juste un donneur. Un donneur de sperme, c'est tout. Donc ton sperme est allé dans le ventre d'une femme. Donc tu as créé, ton sperme a créé. La femme a porté 9 mois et elle a mis, elle a fait faire le bébé, elle a accouché. Donc la femme, c'est une accoucheuse. Elle a accouché. Donc l'enfant, néanmoins, appartient à deux personnes. C'est-à-dire que à l'enfant qui a porté, donc qui va s'en occuper, et celui qui sera à côté de la femme qui va s'en occuper. C'est eux les parents. Pas toi qui as juste mis de l'eau quelque part, et puis quelque chose a poussé dans le ventre d'une femme. Bref. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Edwige de Milan, où elle dit, elle dit tout a été conçu de toutes pièces, que tout a été manigancé avec la mère de Stéphane Abré. Comme magicien, il n'y a pas longtemps, c'était hier, la vidéo fait juste 24 heures et quelques. C'est hier que j'en parlais et elle a fait sa vidéo aujourd'hui. Applaudissez pour le visionnaire, écrivez visionnaire, 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 le BSI. Non, Messi, c'est un sauveur. Je ne peux pas prétendre être Messi. Mais dites visionnaire, c'est mieux. Ça me convient. Mais Messi, c'est trop lourd. Prophète, c'est trop lourd. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est réservé à Jésus, à Mahomet. Voilà. Je ne veux pas de problème ici.
Voilà. Mais dites visionnaire. Là, on peut trouver dans tous les campements, dans tous les blancs, dans toutes les plantations, dans tous les villages, dans toutes les villes. Visionnaire, on peut trouver. Je préfère visionnaire. Voilà. Écrivez visionnaire. Bob Lee, visionnaire. Bob Lee, visionnaire. Comme si j'étais là, comme si j'étais là quand ça se passait. Je vous avais dit que la mère sait dans quoi elle est et que ça lui apporte la popularité à elle et à son fils. La vidéo est encore là. Elle fait déjà plus de 80 000 vues déjà, la vidéo. Donc je suis sûr que maintenant même, elle doit monter en vue normalement. La vidéo d'hier, elle doit monter maintenant en vue parce que dès que j'ai fini de dire ça le lendemain, chez eux, comment dire, genre, comment elle s'appelle, Edwige de Milan vient casser les papos. Vous dites oui. C'était prémédité. On a tout conçu. Pour 200 euros. Parce que Stéphane Aboué gagne 200 euros par mois dans vidéo. Donc pour ça, comment un enfant peut demander qu'on insulte sa maman, insulter le vagin de sa maman, insulter la morphologie de sa maman, dénigrer, humilier sa maman, juste pour 200 euros, même pour 1 milliard, même pour 1 milliard. Je ne peux pas. Même pour 1 milliard, ma mère ne peut pas accepter ça. Et je préfère dire les djoulas, je ne pourrais pas dire musulmans, les nordistes ivoiriens que je connais. Et si tu connais les nordistes ivoiriens, ça peut te permettre de connaître les nordistes, les maliens, les guinéens. Aucun guinéen, aucun malien ne peut faire ça. Aucune malienne ne peut accepter qu'à cause de son fils, qu'on l'insulte comme ça. Elle préfère mourir. Aucune guinéenne ne peut accepter ça. Et aucune nordiste ivoirienne ne peut accepter ça. Aucun fils du nord de la Côte d'Ivoire ne peut même... Ça va passer par où? Lui-même, là, ça va passer par où? C'est-à-dire que Benyé, il y a longtemps, Benyé est sorti dans la maison. Il y a longtemps, Benyé est sorti. C'est-à-dire que c'est toute la famille qui a le poursuivre dans le quartier, là, quoi. C'est toute la famille. Toi, tu es nordiste en Côte d'Ivoire. Et puis, ça va te passer par où pour aller demander à des gens, ils n'ont qu'à agresser ta maman ou bien même insulter ta maman pour que toi, tu aies l'argent. Ça va passer par où? C'est comment, quelle est la magie que tu vas essayer d'utiliser? Tu vas faire comment? Vous voyez? C'est ça le problème. Quand on vous dit que souvent les valeurs viennent des peuples, souvent les valeurs, ça vient des peuples. Souvent les valeurs viennent des peuples, pas seulement des individus. Les peuples traînent les valeurs avec eux. On a insulté la maman de Yaka Yaka ici. Sa maman est décédée. La petite sœur de Makoso, c'est-à-dire que Louise Guénon, elle a insulté la maman de Yaka Yaka ici. Yaka Yaka a failli manger tout Internet. Facebook a failli disparaître. Ça, c'est un digne fils. Il a failli manger, broyer, croquer tout le monde sur Internet là. Il a failli même aller faire fétichisme. Tellement il était en boule. C'est-à-dire que ses yeux sont sortis quoi. C'est-à-dire que Yaka Yaka fait vidéo, tu ne le reconnais pas. Il fait vidéo, tu regardes dans ses yeux, tu ne peux pas regarder deux fois dans ses yeux. Le monsieur est transformé. La plupart des gens à qui on a manqué du respect à leur moment sont devenus bêtes, sont devenus fous. Ils ont voulu manger des gens sur Internet ici. La seule famille à qui ça ne dit rien et que c'est normal, c'est cette famille-là. C'est cette famille-là. Même moi-même, le jour où ils ont essayé d'insulter ma maman, sans même la connaître. Ah non, mais ce que j'ai montré, j'ai dit, j'ai tailladé les mots. C'est-à-dire que le dictionnaire même m'a régné. Le dictionnaire m'a régné. Parce que moi-même, j'ai créé un autre dictionnaire d'injures. Et puis, je leur ai fait ça propre. Ça, c'est enfant indigne. On ne touche pas à ma mère. Même si tu ne la connais pas, tu ne touches pas à ma mère. Alors, je ne peux pas comprendre que tu... Yaka Yaka a dansé bébé dans le ventre de la femme, là. Hier.
Yaka, Yaka, il s'est assis dans le ventre de la femme là. Il s'est assis entre les cuisses de la femme là. Puis il a commencé à jouer Ludo dedans. Il a commencé à jouer Ludo. 6. Bidé. 5. Attends, laisse, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ouais, ouais. C'est à ton tour. Il a commencé à jouer petit poteau dans le ventre de la femme là. On peut faire ça. Un jus n'était pas un jus. Moi-même là, je suis papa dans la classe. Mais quand j'entendais un jus de Yaka Yaka là, j'avais la chair de poule. J'ai dit non. Vous me connaissez. Un jus ne me dit rien. Et moi, papa dans la classe, un jus ne me dit rien. Mais un jus que j'ai entendu hier là, ça me donnait les frissons. La chair de poule. Non, un jus n'était pas un jus. J'ai dit. Ça veut dire qu'il restait un peu. On dirait qu'il voulait prendre. Ça veut dire que peut-être que c'est la possibilité qui a manqué quoi. Sur, il voulait prendre Facebook même quoi. Et puis prendre Facebook là. Tout Facebook là. Et puis rentrer à ça dans le ventre de la femme là. Il voulait rentrer à Facebook là dedans. Yaka Yaka voulait rentrer. Il voulait prendre Facebook là pour rentrer dans le ventre de la femme là avec ça. Il voulait enlever un tester tout cela. Prends ça. Prends tout cela pour faire écriture de Facebook. Ya, ça plaît à la femme là. Ça, c'est quel amour. C'est qu'elle aime son enfant là. On peut aimer quelqu'un comme ça? Accepter qu'on danse bébé. Masque corogolais. Qu'on danse ça dans ton ventre. Juste pour que ton enfant ait 200 euros. Alors qu'il y a d'autres possibilités. Il y a travail dans France, là, dans Paris. Là. Quelqu'un me dit, montre-moi. Non, je n'ai pas à montrer ça. Et tout le monde a vu de toute façon. Sur moi, on m'a envoyé ça. On m'a envoyé ça sur WhatsApp. Mais sinon, tout le monde a vu. Tu pètes, tu pètes. Vas-y. C'est moi. Si elle veut montrer ton mauvais visage, il appelle, il attendait, il fait quelque chose tout de suite. Vous allez voir, il va sortir comme ça. Il va venir s'asseoir. Je ne vais pas, je ne vais pas jouer tout ça. C'est la vidéo là. Vous allez sur Buzzstar Afrique. Vous allez voir ça. Le titre, c'est quoi? Ça a été fait hier à 18h25. C'est là que Buzzstar Afrique a posté ça. Hier. À 18h25. C'est là que Bessa a pensé ça. Vous comprenez, non? Moi, j'ai fait ma vidéo hier matin. Quelques heures plus tard, elle a fait sa sortie. Et Bessa Afrique a pensé ça. Vous allez essayer hier à 18h25 de chez moi. Donc, de chez vous, je ne sais pas. Maintenant, le titre, c'est Sortez Edwige Ayaka. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès de t'insulter pour que tu sortes. Et je savoure. Ça nous fait rien haut. Et Apoutchou avec son direct de 14 000, c'est fait du jet. Voilà. Donc après ça, le fils maintenant vient maintenant. On a bien insulté sa maman. Donc tout le monde pense que le fils va venir répondre. Et puis il vient. Et puis il raconte des bêtises. Et puis 14 000 personnes sont connectées. Et puis ça lui donne l'argent. Donc on n'est qu'à insulter rien de ta maman pour que toi ça te donne jet. Faut plus devenir riche. Plus jamais. Si c'est ça là. Faut plus jamais. Maman va dire une pauvreté même mieux. Elle va dire mon fils, faut m'enterrer maintenant là. Enterre-moi maintenant. Parce que ça là. L'argent ça là. Je ne vais même pas prendre 5 francs dedans. Moi, maman, elle va dire enterre-moi maintenant là. Aujourd'hui, là, enterre-moi. Là, là, dans poussière, là, prends panier blanc ou bien. Ce que tu as vu là, là, ou bien prends les feuilles d'attiqué, enterre-moi là, là. L'argent, ça là, je ne mange pas ça. Il y a des familles d'eux. Non mais sérieux, il y a des gens. Depuis que j'ai appris ça, j'ai réfléchi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire ça. J'ai réfléchi, je ne trouve pas. Juste pour avoir des vues. Je vous ai dit pourtant hier, je le disais, pas parce que j'en doutais, mais je suis choqué d'avoir raison. Et vous, est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Souvent, je fais des choses et j'aimerais avoir tort. Pourtant, je sais que ce que je dis est vrai. Parce que je sais lire les gens. Je sais lire les événements. Quand je dis quelque chose, je sais que ça va arriver. Mais souvent, secrètement, je voudrais avoir tort. Souvent, secrètement. Moi-même, là, quand j'ai fini ma vidéo, j'ai dit, j'espère que j'aurai tort. Parce que ce n'est pas comme ça que je veux l'humanité. Donc, tu sais très bien,
Toi, la maman, la soi-disant maman de comment des gens, de Stéphane Abré, tu sais très bien qu'ils vont t'insulter. Et après, tu vas jouer les victimes. Parce qu'au fait, c'est ça. C'est votre game là, ça. Vous victimisez sur les réseaux sociaux. Vous provoquez vous-même. Vous organisez les clashs contre vous-même. Et puis, vous allez venir jouer les victimes. Et puis, vous allez faire les gens, les internautes vont nous insulter pour rien. Alors que vous êtes dans un game. Même si moi, je le sais. Mais eux, ils ne le savent pas. Et ils vont venir nous insulter pour rien. Oh, mais la femme là, la pauvre femme là, vous avez fait quoi? Mais ceci, c'est là. Mais elle est trop jolie. Mais elle est ceci, c'est là. Oh, vous dites qu'elle est laide là, c'est faux. Mais je vous ai dit hier dans ma vidéo qu'elle utilise sa laideur pour se faire connaître. Je vous ai donné l'exemple d'Ayatollah. Il utilise son handicap. Et ça l'a lancé. La plupart, certains, beaucoup de ces films, on dit à Ayatollah, un homme court comme ça là. Et ça le lance. Ça le lance. Et je vous ai dit que c'est ce que cette femme est en train de faire. Je croyais si mal le faire. Je croyais si mal dire. Mais voilà, on m'a donné raison encore. Tapez là-bas, merci le visionnaire. Écrivez, merci le visionnaire. Donc, toi, une mère, tu ne veux pas te faire connaître de la façon la plus respectable sur les réseaux sociaux. Tu ne veux pas te faire connaître de la façon la plus respectable dans ta société, parmi ton peuple. Tu veux te faire connaître de la façon la plus ridicule, la plus déshonorante, la plus... Comment il faut dire ça? La façon la plus laide, la plus moche du monde. Être la risée du monde. Tu veux être juste la risée du monde. Pourquoi? Pour des vues sur Facebook. Pourquoi? Pour des blogs, des vidéos. Juste pour qu'on dise, oui, Bleu Brigitte, maman de temps. Juste pour ça, tu donnes ton corps pour qu'on t'insulte. Tu l'avais déjà dit. Dans une vidéo. Et moi, je savais. Mais je croyais que j'allais avoir raison. J'allais avoir tort. Tu as dit que si moi, on doit m'insulter. Tu l'as dit. Et je cite. Et ta vidéo est encore là, peut-être sur ta page. Si moi, on doit m'insulter pour que moi, mon fils puisse vivre. J'accepte les injures. Tu l'as dit. Mais je l'avais compris autrement. Je pensais que tu étais en train de dire que ceux qui agressent mon fils, si m'insulter peut leur faire plaisir et que ça peut ouvrir le champ à mon fils, c'est tant mieux pour eux. Mais je ne savais pas que toi-même, tu voulais te sacrifier pour que ton fils puisse passer sur le chemin de la gloire des réseaux sociaux. Pour qu'il puisse marcher sur le tapis rouge de la gloire en se victimisant. Ah non, moi, il n'ai rien fait. On insulte ma maman matin, midi, soir. C'est pas grave. Oh, Blé Brigitte, c'est à cause de moi que tu souffres. Oh. C'est pas grave. Oh. À cause de ton fils, là. Parce que tu m'aimes, c'est pourquoi tu souffres. Ja, c'est comme ça. Ja, c'est comme ça. Ok. En tout cas, Yaka Yaka vous a montré un peu. Il a eu le trône, la médaille. La médaille. Mais je vous dis à vous deux. À toi, Bleu Brigitte, et à ton fils. Moi, je ne vais pas vous clasher. Mais même dans vos rêves, que nos chemins ne se croisent pas en clash. Parce que lui, Yaka Yaka, hier, il a dansé. Il a pillé foutu. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire dans ton ventre. Moi, là, je ne vais pas danser. Je ne vais pas pillé foutu. Je vais déplacer toute l'asile des fous des États-Unis, de tous les États des États-Unis, de la France, de l'Afrique, de l'Asie. Et puis tous ceux-là vont parler, vont bavarder dans ton ventre. Tous ceux-là vont bavarder, non seulement dans ton ventre, mais vont bavarder dans tout ton corps, excusez-moi.
Tu comprends maintenant? Moi, je ne savais pas que c'était un jeu pour vous. Provoquer les gens. Et puis après, on va traiter les gens de méchants. Quand moi, je vais chercher à être méchant désormais avec vous, là, je ne vais pas le faire à moitié. Moi, je ne savais pas que c'était un plaisir pour vous. Comme c'est un plaisir pour vous, moi-même, c'est mon jeu favori. Moi-même, là, c'est mon jeu favori. Quand je m'ennuie, c'est ce que je fais. Vous avez compris? Et que personne ne vienne dire aux gens ici désormais que non, la femme là n'a rien fait. Et que non, vous êtes trop méchant. Vous êtes trop jaloux. C'est rentré, c'est sorti ici. Que personne ne vienne dire ça ici. Parce que quand quelqu'un va dire ça, si je te regarde et puis je vois que tu es connu, la façon dont il est rentré dans toi là, tu vas croire que peut-être qu'il te guettait il y a longtemps. La façon dont je vais rentrer dans toi, il est rentré de ta famille, déterrer tes arrières et grands-parents. Tu vas croire qu'il y a longtemps il te cherche. Est-ce qu'on peut... C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'aime pas, comment la personne peut aimer autrui? Des gens même qui ne s'aiment pas. Joe. Lorsque quelqu'un t'insulte, c'est parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas éviter ça. Lorsque quelqu'un t'insulte, c'est-à-dire que tu as provoqué quelqu'un. Et puis t'insulte, tu n'as pas eu le choix. Donc tu prends ça. Mais quelqu'un qui va provoquer expressément un jus, c'est que la personne ne s'aime pas. Quelqu'un qui ne s'aime pas, comment cette personne peut avoir de l'amour pour autrui? Vous ne vous aimez pas, mère et fils. Comment vous pouvez prétendre aimer autrui? Les gens même qui sont autour de vous devraient avoir peur de vous. Comment quelqu'un... D'abord, mais vous deux, vous êtes laid. Sérieusement laid. Quand vous regardez, on a l'impression que c'est Séré Dieu qui est en train de pleurer. Et en plus de cela, maintenant, vous venez vous montrer toute cette laideur-là pour qu'on vous insulte. Pour vous victimiser. Mais vous n'avez pas encore commencé à vous victimiser. Mais vous allez vous victimiser. Ah oui. Vous allez vous victimiser. Sérieusement. Parce que je crois que Yaka n'a pas encore commencé avec vous. Tel que je le connais. Parce que vous ne le connaissez pas. Je vous ai dit une fois dans une vidéo que eux tous là, je les connais. Chacun d'eux, je connais ses forces et ses faiblesses. Vous êtes parti sur un terrain que Yaka même, lui-même, il est champion dedans. Il n'a pas encore commencé. Il n'a pas commencé. À ça, je vous le dis. Vous ne connaissez pas les limites. Je suis le seul qui connaît les limites de Yaka. Je sais jusqu'à où il peut aller. C'est-à-dire que quand il arrive là-bas, et puis tu dis, non, Joe, laisse ça. Et puis il va se dire, bon, c'est bon. Personne ne connaît ses limites. Souvent, lui-même, il se surprend. Lui-même, il se connaît même pas mieux que moi. De la façon dont moi, il le connaît, là. Lui-même, il ne se connaît pas comme ça. C'est lui-là, vous êtes allé provoquer. Sur un terrain même, un terrain de gat-gat que lui-même, il a créé. C'est-à-dire que lui, il a créé son terrain-là. Il cherche depuis quelqu'un avec qui jouer. Il cherche quelqu'un avec qui lui va jouer. Sur petit terrain-là, petit poteau qu'il a créé derrière sa maison-là. Et toi-même, tu t'amènes, poutou, pacha, tu dis, non, viens, on va jouer. Mais il va se faire ça propre. Tu ne gagnes même pas un but, même ligne médiane là-même, là, tu ne peux pas dépasser ça. Parce que 1, 2, 3, c'est but. 1, 2, 3, but. 1, 2, 3, but. C'est-à-dire qu'il va marquer seulement, jusqu'à finir, là, il va danser seulement. Comment on peut être méchant envers soi-même? Donc, on va te prendre du haut jusqu'en bas. On va t'insulter copieusement. Juste pour que ton fils ait 200 euros. Donc, toi, même si ta mère, elle dit, insultez-moi pour que mon fils puisse avoir quelque chose à manger en France. Toi, là-haut, ta mère ne te dit rien. Vous qui venez sur ma page en train de dire que non, la mère est Dieu pour un enfant, là. Oui, la mère est Dieu pour son enfant. Donc, allez-y, dis à cet enfant indigne que tu ne devrais pas permettre qu'on insulte ta maman juste pour que tu aies de quoi manger en France. C'est que ce n'est pas la seule voie pour avoir de quoi manger en France. Il y a travail en France. Ce n'est pas comme on t'a mis sur un bois, on dit non, on va t'égorger. Et puis ta maman dit, tue-moi à sa place. Ce n'est pas ça. Tu as le choix. Tu es dans un pays où il y a le choix.
Tu peux aller travailler. Tu peux vendre pizza. Tu peux faire livraison. Delivery. Tu peux faire ça là-bas. Tu peux aller soulever des cartons. Il y a plein de boulot. Tu peux aller nettoyer. Tu es gaillard en plus. Tu peux aller déterrer les choses. Comment les WC là. Puis les nettoyer. Puis les redéposer. Tu n'as aucun problème. Pour ça, on n'a qu'à humilier ta maman. C'est parce que le monsieur là, je ne sais pas où on l'a mené, dans quel fétichisme on l'a mis. Si on, normalement là, il y a longtemps, le monsieur a divorcé avec ta maman. Parce que moi, je ne peux pas être avec une femme. Et puis on insulte comme ça. Puis non, un garçon, c'est un garçon. On peut insulter un garçon, ça ne va pas quelque part. Mais une femme, l'insulter jusqu'à l'insulter dans son bas, et puis tu vas la garder encore. Pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Un garçon, il vient du champ, il est sale. On dit réunion, il s'en va sale là. Pied sale, tout. Il vient du champ comme ça, il est sale comme ça, il s'en va faire réunion. La femme, elle doit se laver d'abord avant d'aller faire réunion. Elle doit mettre son meilleur parfum avant d'aller faire réunion. Elle doit attacher son joli foulard avant d'aller faire réunion. Ça, c'est ça la femme. Donc, garçon là, on peut l'insulter comme un... C'est un zéman fou. Garçon, c'est un zéman fou. Femme, c'est pas comme ça. L'homme est respecté à travers sa femme. Quand ta femme, là, son grain est dans la bouche de tout le monde, son grain est dans la main de tout le monde, ça fait quoi à la maison chez toi? Elle fait quoi à la maison chez toi? Surtout quand la façon on l'insulte là, quand toi-même tu la déshabilles et puis tu vois que ce que les gens ont dit là, c'est vrai, c'est comme si eux tous sont couchés avec elle là. Toi-même tu es découragé. On ne fait pas ça. Un enfant a l'obligation de protéger sa maman sur tous les plans. Un enfant a l'obligation d'honorer et de protéger l'honneur de sa mère. C'est pourquoi au temps de Noé, Noé a maudit l'un de ses fils. Quand Noé était saoulé et qu'il était nu, celui qui n'a pas osé mettre le tissu sur le corps de Noé pour protéger sa nudité, Noé l'a maudit. Parce que le rôle d'un enfant, c'est de protéger l'intimité de sa mère. Le rôle d'un enfant, c'est de protéger l'honneur de sa maman, de ses parents, père comme mère. Et toi, tu les exposes et tu les vilipendes. Juste pour qu'on dise que non, que tu es trop bien pour te victimiser, pour que tu viennes faire les 14 000 vues, les 15 000 vues, pour avoir un peu de jetons. C'est tout ça. Mais, et ceux qui sont payés et qui n'amènent pas leurs parents à l'abattoir, tu vas dire quoi alors? En fait, tu n'es pas le seul qui gagne ça. Beaucoup gagnent beaucoup d'argent, plus que toi, dans Facebook, là. Mais on n'insulte même pas, même leurs soeurs, leurs frères, on ne les insulte même pas. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Ce qu'ils gagnent, là, tu ne payes pas. Voilà les Camerounais, là, ici, qui font 1 200 000 réactions. Souvent, 1 500 000 réactions. Vidéo de seulement 3 jours, 4 jours. 1 million et quelques réactions. Donc, imagine le nombre de vues. Ça, c'est réaction seulement. Hein. Donc, imagine le nombre de vues que ça fait. Ils n'ont pas besoin de vendre leur maman ni leur papa. Ce sont les Gabonais. Il y a l'autre qui s'appelle Jacques. Ses chaussures sont comme ça. On dirait chaussures de bébé busy qu'il avait pris pour se marier. Là. Et puis, il y a l'autre, lui, qui danse comme ça. On dirait serpent. On dirait serpent noir. Là. Les mains, comme ça, puis il danse comme ça. Voilà. Dans les deux. Les gens, ils se tapent l'argent. Et puis il y a un lot là, on dirait Abogi là. L'autre là, il est musclé comme ça, on dirait Abogi. Voilà. Les gens se tapent l'argent. Ils n'ont pas besoin de vendre leurs parents. Ils se tapent des millions par jour. Tu as oublié de vendre ta maman pour ça. Et elle est fière. Elle dit, j'ai mon fils. Une mère ne devrait pas être fière d'un tel fils. Une mère ne devrait pas être fière d'un tel fils. Et un fils ne devrait pas être fier d'une telle mère qui manigance des choses juste pour créer des buzz sur sa personne. Et puis, c'est-à-dire que je veux savoir, monsieur Stéphane, lorsqu'on insulte ta maman et puis tu écoutes comme ça, qu'est-ce que tu ressens à l'instant T? Quand tu vilipendes toi-même, parce que finalement, c'est toi qui insultes ta maman, c'est pas les gens.
Mais quand on insulte ta maman comme ça, toi-même, j'aimerais, je suis curieux de savoir ce que tu ressens. Mais apparemment, rien. Aucun sentiment. Tu ressens rien. Tu n'es pas un homme. Parce que tous ceux qui vivent ressentent quelque chose. Il n'y a que les morts qui ne ressentent plus rien. C'est que tu es mort. Il n'y a que les morts qui ne ressentent plus rien. Parce que même, tu aimes simplement une fille du quartier, c'est même pas ton ami, mais tu l'aimes en secret. Quelqu'un l'insulte, ça te fait mal, ça te brûle. Une fille qui est dans le quartier, ou bien une fille que tu connais, toi tu l'aimes en secret, tu n'as jamais déclaré ton amour à la fille. Quelqu'un insulte la fille là, ça te fait mal, ça brûle ton cœur, tu as envie de limer la personne. Tu imagines tous les petits trucs, comment tu as passé devant la personne va te toucher un peu plus de vous battre. Et que tu imagines tous les petits scénarios. Donc imagine maintenant ta mère que tu aimes depuis petit jusqu'à tu as grandi. Que tu dis aimer. Toi, tu es un enfant maudit. Et ta mère même, elle est maudite. Pour se prêter à ce jeu-là, c'est qu'elle est maudite. Est-ce que ce n'est pas une histoire de karma qui vous suit? Mais vous apprenez les mauvaises manières aux gens sur les réseaux sociaux. Imagine-toi si d'autres mères veulent se mettre dans ça là. Mais où allons-nous? Quel est le nom de la Côte d'Ivoire qu'on laisse? Quel est l'héritage qu'on laisse? C'est comme ça les mamans ivoiriennes vont se comporter. Se faire insulter pour se victimiser, juste pour se faire des vues et se faire connaître sur les réseaux sociaux. C'est ça là, c'est la société, la nouvelle société là qu'on veut créer. Si on n'a pas le choix, là on peut comprendre, on a le choix. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour être le roi des réseaux sociaux. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux et ailleurs. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. J'aimerais savoir ceux qui disaient que la mère de Stéphane Abré, elle était victime là. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Ceux qui disaient qu'on était jaloux de Stéphane Abré, c'est pourquoi on parle là. Vous êtes où maintenant? Ceux qui disent que non, et il est victime là. Vous êtes où maintenant après avoir écouté les aveux d'Edwige de Milan disant que c'est toute une histoire manigancée? Vous êtes où? Mais comme vous êtes dans un monde, je vous dis qu'il y a des peuples qui n'ont pas honte. Et vous faites partie de ces peuples-là. Quand vous n'avez pas honte, vous aurez toujours quelque chose à dire ici. Si en temps normal, vous alliez vous taire à jamais. Disparaître, changer de profil, changer de nom. Vous alliez changer le nom de vos Facebook là. Et puis changer vos photos pour ne même pas qu'on vous reconnaisse. Parce que vous, nous y avions déjà compris que vous êtes les parasites de la société. Vous n'apportez rien. Vous ne savez que gâter. Votre cervelle ne vous permet pas de réfléchir. Parce qu'elle est juste là à titre décoratif. Votre cerveau, votre tête n'est que là pour décorer le reste du corps. Apparemment, Dieu a manqué de vous donner un cerveau. Parce que tous ceux qui en ont, en usent. Et vous êtes les seuls qui n'utilisez pas vos cerveaux. J'aimerais que les femmes africaines et les femmes ivoiriennes surtout, j'aimerais que vous fassiez respecter. Parce que Facebook est venu là. C'est bon, hein? Mais de la façon, c'est bon, là. C'est comme ça aussi, c'est dangereux. Les vues, là. Vues d'un jour, vues d'une semaine, vues d'un mois, ça ne peut pas faire de toi roi du monde, ni roi des réseaux sociaux. Même si tu fais des vues pendant un an, ça ne te fera pas, ça ne te fera jamais réaliser tous tes rêves. Par contre, ton honneur, ta réputation, elle te conduit jusqu'à ta tombe. Facebook, là, de la façon c'est venu à ça, comme ça, ça a passé. Il y aura d'autres choses. D'abord, Facebook est en train d'innover tous les jours. Il y aura tellement de choses. Aujourd'hui, il y a ce que WhatsApp était hier. WhatsApp n'est plus ça aujourd'hui. Les TikTok sont nés, l'Instagram, il y a plein de choses qui sont là. Tu ne pourras jamais être roi ou reine des réseaux sociaux.
même si tu voulais. Peu importe ton talent, peu importe ta popularité, jamais. Même le petit TikTok qu'on appelait le roi de TikTok, à qui chose a donné contrat là, à qui Mark Zuckerberg, ok c'est bon, le gars de Facebook là, Mark Zuckerberg, je sais pas. Mark Zuckerberg, c'est mieux. Celui à qui Mark Zuckerberg a donné le truc de sa publicité là, lui-même là, c'est un temps. Vous allez voir, son temps va passer. Les gens viennent, ils passent. Tu es fameux aujourd'hui, on va parler de toi pour un temps, et puis après tu passes, comme si tu n'avais jamais existé. Et un autre va venir. Aujourd'hui, c'est petit là. Avant lui, il y avait autre chose. Il y avait une autre personne. Et après lui, il aura quelqu'un d'autre. Et puis la vie va continuer. Pour ça, tu ne peux pas permettre qu'on te salisse. Tu ne peux pas te prêter à un jeu malsain, un jeu sale. Insultez-moi pour que je sois connu, moi et mon fils. Et puis maintenant, c'est les autres qui vont être mal vus. Tu obliges les gens à t'insulter. Tu les provoques. Tu les insultes. Et après, tu veux jouer les victimes. Mais eux, ils s'en foutent. Voilà, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit sur moi? On a dit plusieurs fois ici que non, j'insulte les femmes. Ça m'empêche de vivre. Ça m'empêche de... Ou bien, vous avez entendu que ma femme m'a quitté parce que non, j'insulte les femmes. Pourtant, les femmes, je n'ai jamais insulté en bas d'elles. Vous avez déjà dit que j'ai insulté ma mère ou même ma grand-sœur? Jamais. Ça ne se passe que dans vos têtes. Ça ne changera rien. Vous allez beau dire que Yaka Yaka insulte les femmes, c'est juste du buzz. Ça va rester buzz et ça va passer. Yaka Yaka va continuer sa vie. Et toi qu'on a insulté là, les paroles qu'on a dites sur toi là, ça va rester dans la tête des gens. Ta réputation est ternie à vie. Lui qui t'insulte là, lui va salir ta réputation. Et lui, rien ne lui arrivera. Les gens vont venir dire, oh, toi tu insultes les femmes, tu n'as aucun respect pour les femmes. Et ça va nulle part. Tu as joué les victimes pour un temps. Et on dit, oh, allons-y la soutenir. On va la soutenir. Blablabla. Et puis ça va nulle part. Ça ne fera jamais de toi la reine des réseaux sociaux. Ni ton fils aussi. Yo, c'est vous qui connaissez le nom des types là. Moi, j'ai essayé Marc quelque chose. Et ça ne passait pas. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Moi, je connais Zuckerberg. Il s'appelle Mark Zuckerberg. C'est pas fini. Ah, vous avez compris. Non, vous savez de qui je parle. Il s'appelle Mark Zuckerberg. C'est fini. Faisons très attention, hein, parce que j'ai regardé un film une fois où l'une cousine disait à sa cousine, prends l'argent, mais ne laisse pas l'argent te prendre. Et moi, je vais vous dire une chose. Utilisez Facebook, mais ne laissez pas Facebook vous utiliser. Sur ce, je vous laisse. Je suis Bob Lee, la légende. La légende vivante. Ciao.